Une rue, 800 habitants et une dizaine de pubs. Oh yeah. Le festival dure un mois. Les célibataires sont les rois. Je voudrais me trouver un gentil fermier avant de me ranger. Je cherche un bon parti. Ah oui, c'est important qu'il soit riche. Il n'y a pas que des fermiers qui viennent à Lidounvarna. Oui, des banquiers, des avocats. Oui, c'est bien. Il faut qu'il y en ait pour tous les goûts. Vous croyez vraiment que ça marche? Bien sûr que c'est possible. Aujourd'hui, on ne parle que des rencontres sur Internet et sur les réseaux sociaux. Mais si on peut trouver sa moitié en ligne, pourquoi on ne pourrait pas le faire dans la vraie vie? Par exemple, dans un festival comme celui-ci. Ah oui. Oui, même si c'est pour quelques soirées, c'est déjà bien. Ou pour une nuit. Fais gaffe, il y a ta mère qui t'écoute. Le centre névralgique est ici, dans ce bar. C'est là que Lise et ses amis vont rencontrer Willy, la mascotte du festival. On y va ? Bonjour Willy. Bonsoir, je voulais vous dire, vous étiez très belle ce soir. Oh, merci. D'abord, je vais vous demander de toucher ce livre. Ce grimoire appartenait à son père, lui-même marieur professionnel. Il faut bien le toucher avec les deux mains, c'est comme cela que ça va vous porter chance. Est-ce que vous avez trouvé quelqu'un à me présenter ? Oui, bien sûr, ne vous inquiétez pas, je suis sur le coup. J'ai quelques garçons en tête. Mais revenez un peu plus tard. Profitez-en en attendant, si vous voulez. D'accord, merci. Ce n'est pas ce soir que Willy leur présentera quelqu'un. Il doit encore prospecter. À elle de se débrouiller toute seule, comme des grandes. La fête se poursuivra jusqu'au petit matin. Pour les Américaines, ce sera grasse matinée.